Cette occasion bien spéciale du jour de l'amitié. L'homme est tout naturellement un élément social. L'homme l'y fait pour lui vivre en société. C'est ça qui fait dans toute activité de l'homme. Nous ne pouvons pas jamais pour produire. La société a été formée depuis que l'Éternel a senti nécessité pour être capable d'attendre un monde bon côté. Il a cherché une salle dans le temps de créature, dans le temps d'animaux, pas de monde qui était capable d'appeler bien le pardon, et de comprendre qu'il faut que détacher les côtes d'Adam, l'idéal avec côte ça, les tourner avec le devant Adam, c'est la femme que le remettre. Et puis voilà, une société de famille qui est formée de deux. Et mais nous-mêmes, nous avons dû former la génération qu'on a aujourd'hui. On a dans tout ce qui est nous devons toujours apprendre l'homme dans une société. Société qui doit pitié, et l'église, c'est une société que nous avons. Dans le travail, encore dans la société, dans l'école, c'est encore une société qui a fonctionné. Et dans chaque petit mouvement social que l'homme pouvait vivre, il y a toujours une affinité qui allait pour yon ou bien yon dans la petite société. Et bien affinité qui allait tellement bien avec nous ça que pour nous allions les hommes. Je dis, si nous là, c'est parce que nous croyons que non seulement en chrétien que nous réunis, bon si ce n'est pas chaque jour, au moins chaque dimanche, nous sentons que il y a une nécessité pour nous manifester ça que nous gagnons l'un pour l'autre, pour nous témoigner de ça que nous gagnons l'un pour l'autre. Il fait que je dis à jour ça, à part, nous sommes capables de faire toute manifestation, ça, toute démonstration. Mais en tant que chrétien, toute activité nous toujours campée sur la Bible. Nous avons qu'un en pile si nous n'avons pas de l'amitié sans que nous ne rentrer dans la Bible en avec. Nous comprenons naturellement. Il a donné un message tout à fait raccourci, vu, bon, l'urgence, constance. Cependant, le message est quand même à passer. Mais ça que la Bible présente par Jodia, on a référé où dans le livre de Samuel, 1 Samuel, le chapitre 20, et c'est là que nous prenons un verset, le verset 40. Et un qui dit que les deux armées s'embrassèrent, les deux armées pleurèrent, et David surtout. Et là nous descendons plus bas, au verset 42, deuxième alinéa, il dit que l'Éternel soit entre moi et toi, entre ma descendance et ta descendance entre nous toujours. Sans doute, dans une circonstance pareille, il est normal que tu apprends Jésus, moi mettez le camp devant nous comme le seul ami, le meilleur ami. Cependant, Jean Boud a pas trop facile. Car qui ne connaît pas que Jésus, c'est le seul ami. D'ailleurs, il est tellement fait pas que personne ne peut pas faire dans la vie, pas vraiment l'autre ami que Jésus. Cependant, vous préférez quitter Jésus continuellement pour pouvoir soigner et nous voulons envisager d'autres figures de la Bible. C'est la plus naturelle que la soigner, nous descendre, caille, pas avec Ruth, mettez-vous en face, belle-mère, pour nous garder l'attitude de pas qui va révéler nos ennemis tout bon, tandis que Ruth, montre qu'il est attaché à l'autre au point que je dis n'importe côté où aller, moi je vais aller tout et côté où va demeurer, c'est là où je vais demeurer. Cependant, nous ne pouvons pas nous assurer et quelque part, une seconde que nous allons passer ensemble, on va camper autour de Jonathan, le fils de Saül, en face à David. Texte ça,
que nous joignent dans ce livre, le premier, nous saluons naturellement, et nous délions pour vous, verset Saillot, lit, résumé, histoire de l'homme. L'homme qui voulait marcher avec vous, mais c'est aussi longtemps qu'on peut marcher doucement, pas de marcher efficace. L'homme qui embrasse vous avec tout cœur pour vos amis, mais c'est aussi longtemps que vous n'avez pas vos amis qui dépendent de lui, mais pas vos amis qui a brouillé. Texte là, mettez-nous au pied de la réalité de l'homme qui parle au moins. Il a fait grand bagaille pour faire l'homme briller. Immédiatement, bagaille a fait comme ça. Position l'homme ébranlé. Orgueil envahit que lui. Pas gagner l'homme bagaille que nous méritons, c'est la mort. David, au service du roi Saül, lui fait bagaille pour sauver le pays. Lui fait bagaille pour aider le roi à garder position. Même si nous ne pouvons pas énumérer tout ça que nous faisons, nous ne sommes pas capables d'oublier la grande victoire que nous avons remportée sur les Philistins pour sauver David. Et voilà, dit que chaque fois que nous remportons une victoire, que le nom de David doit aller quelque part plus loin, ça vient susciter la haine, la jalousie de Saül qui fait que, par exemple, l'autre bagaille, l'autre récompense qui est réservée pour David, c'est la mort. David, au courant de manœuvre que Saül a mené pour Kamafé Mouni. Saül fait une déclaration en face de Jonathan, petit lui. Mais Jonathan m'a fait quoi que papa de Dieu à ce point pour t'a fait la mort de l'autre. Et lorsque nous avons commis d'accord, David est arrivé dans la position pour te mettre Jonathan. Au courant de ça que nous connaissons, pour faire connaître que papa, lui, Saül, voulait tuer lui, Jonathan dit, non, ce n'est pas vrai, c'est une décision que vous prenez. Il a supposé qu'on ait ça parce que vous prenez votre décision. Cependant, Saül le connaît, amitié, Jonathan avec David, mais pas pour leur chance, mais devant vérité, il y a comme ça qu'il connaît, il n'a pas de voir, il n'a pas de leur place. Et lorsque David a eu une bonne information, n'en est pas parlé au sujet de David, c'est le salut qui pousse, qui est papa, qui est contre David. Alors il dit, mais papa, qui ça nous a fait? Pardon, qui ça David fait? Je ne dis pas là, mais qui ça lui fait? Vous savez, vous avez besoin de moi là, ils ont fait la vie en plusieurs circonstances. Bon, une fois, avec la vie, mais du moins ça, Jonathan confronte à l'arrivée. Pourquoi est-il capable de faire la vie paraître claire devant papa de Saül? Mais Saül, David est en position pour la défendre, papa lui encore, devant les Philistins, il remporte une grande victoire sur lui encore. Nous t'avons compris que dans le cas ça, au moins, papa t'a abandonné, il vient de là, David en conseille. Alors, premier Jonathan voulait prouver à David sans qu'il s'appelle premier. Avec David, il fait pour les batailles de vrai. C'est tout le monde de papa oui, le même bataille de oui. Il fait pour parler de combinaison avec lui. Il n'a pas pour cette histoire-là, il l'a caché de loin. Papa irrité pour que mes festin qu'il a fait, pour que n'a pas donné David. En sorte de guerre à pain. La vie des fonds du pas Jonathan, il n'est pas présent. Mais il était pour la vie dans le toit, le deuxième toit, parce que c'est un peu pour toi. Pour deuxième toit, le toit, la vie. Il est dit, même fait ce qu'il a fait, il continue là. Tout ça, David, en tant que Zami, Jonathan, en tant que Zami, David, t'as devré, tu n'as pas besoin de vivre. Toute étymologie que nous voyons dans ces circonstances. Aussi Dieu, la tête nécessité qui fait pour l'homme, nécessité qui est posée à l'homme pour être capable de vivre
ensemble. Mais l'amitié est finie, guérir une utilité tout le monde. Bien que la Bible dit nous bon que méfiez-nous de trois amis. La Bible dit nous, pour nous parler de trois amis, plus amis que nous, c'est quand j'ai que venir vous, même la Bible a dit quand même que nous ne sommes pas capables de vivre sans amis. Livre des Proverbes, nous avons des amis. Il dit que plus mauvais bagaille pour l'homme, c'est l'homme où tomber dans la route ou pas de personne qui pouvait le lever. Et un homme qui est aux amis dans la ville, le manger qui t'a fait redresser et voir même qui t'a tombé, qui t'a prend même et de lever, et tout son nom heureux, c'est un homme béni. David dit un homme béni parce que il était gay. Il est en raison ça. Caïn, Saül, ennemi numéro un, lui, raison qui était existé en Jonathan, qui a sauvé la ville dans le moment que personne n'est pas capable de sauver la ville encore. Mais, des vrais amis, des faux amis. Les faux amis, c'est ça que nous voulons, les amis d'occasion. Les amis qui l'avaient pour sans doute pour être capable de bénéficier de leurs privilèges, de leurs avantages. Nous ne pouvons pas dire rien qui ont parce que la vie a sa même sacrifice. D'ailleurs, c'est deux mots qui existent, vrai ou faux, bon ou bien mauvais. C'est ça ou bien c'est pas ça. Si nous parlons pour nos amis, c'est pour nous un mauvais ami. La vie a plein mauvais amis. C'est ça qui fait. La Bible là, suggère de nous. Pour nous pas besoin de laquelle quand nous avons propres amis, cependant, nous devons gagner. Je dis à ce nous ici, là, c'est parce que nous n'étions pas que. Ou quoi dans l'amitié. Ou pas quoi seulement dans la réunion qui fait hebdomadaire, nous le dimanche. Mais vous mettez aujourd'hui en spécial pour qu'à vous honorer les tout. Et vous honorer le monde ça qui dans la vie ou accepter comme vous en avez. Sans doute, quand c'est un monde qui a mis le chien à mon côté, sans doute, c'est un monde qui a mis le caillou, car vous comprenez le caillou. Et puis nous pas envie songer. Nous ne devons pas faire tout le temps nous pas envie. Gué Marie et madame. Mais gué Marie avec madame qui sont amis. Gué dans les pas envie comme ça. Ça dépend des circonstances qui te fait une jonction, te fait. Si ce n'est pas comme ça que les gars aiment prendre un acte dans l'idée de changer en femme et puis de mettre tout là, madame ça pas envie. Et ça qui fait une bonne bagarre qui est en bas. Dans la rue, dans petit bagage qui pipi dit oui, parce que il n'y a pas de avec l'amitié. Même si l'amitié est là, il ça parle. Hein? Avec genou, il y a avec bouche, mais avec cœur, il parle là. La Bible dit que nous avons besoin de présents. Nos amis qui comprennent. Nous ne pouvons pas prendre l'exemple de Jésus qui dit tout le monde qui va observer le commandement moi, ne pas envie moi, ça c'est un lot. Régulier parce que Jésus c'est Jésus, il est en position en tant que maître pour vouloir que nous marchions dans la vie d'après le principe qui est rétabli. Mais si vous avez nous dit à vos amis, moi il faut observer tout ça que nous disons et vous-même, qui condition pour nous en dire. Nous parlons dans la lutte, tout ce qu'on dit, moi si nous avons fait tout, tout ça nous dit, c'est pour d'abord. Non, amis, nous là pour nous comprendre l'autre. Par l'avenir, tu es capable de nous modifier, il y a un gros tremblement, tu es capable de faire le monde passer et puis nous mettre campés ensemble, nous-mêmes nous poser, nous discuter pour le bien de l'un et de l'autre. C'est ça l'amitié. Deux mondes qui prennent à supporter l'un et l'autre. Deux mondes qui prennent à comprendre l'un et l'autre. L'un qui prennent à sacrifier la vie pour l'autre là. Et l'exemple de Jonathan, son exemple bien. Parce que tu es un carrefour qui t'est arrivé, côté que Saül te préférait menacer David de mort au lieu que tu as quitté Jonathan avec suivi dans le temps. Jonathan te préférait partir avec David dans le cachet. Il te dit c'est une bonne petite manœuvre. Et maintenant, tu as fait avec lui. Donc, faut que tu aies détourné l'Afrique avec une flèche. Pour être capable de sauver David, son petit garçon pas reconnaît qui route David fait encore parce que je vais tenter de pas j'en connais
dans une vraie situation, nous allons dire, papa, mais montrer la vérité. Alors, dans le cas ça, David peut reconnaître que Jonathan, c'était un ami tout bon qui était détruit. Ils s'embrassèrent, ils pleurèrent, et Bible a avancé du tout, et David, surtout, David pleurait plus, parce que il est difficile de nous prendre un ami tout bon dans la vie. Donc là, nous jouons un ami ça, au lieu que nous rions, préférez que nous crier parce que c'est un bagage tout à fait spirituel que nous crions. Et nous faisons serment entre nous pour que nous ne jamais séparer l'un avec l'autre. Et que aussi longtemps que l'un et l'autre vivant, et que Dieu vivant, nous devons des hommes sacrés, mariés, et nous devons des hommes sauts dans le temps, soit c'est mon Dieu, il te dit qu'il est capable de rester des hommes tout le temps. Que le Seigneur aide-nous à repenser sur la vie de nous, dans l'entourage beaucoup de nous, dans le cadre beaucoup de nous, dans le travail, dans l'école et dans l'église là. Car l'apôtre Paul, apôtre de l'Éternel, scellé par le Saint-Esprit depuis ce jour-là, en péril par le faux frère. Ça veut dire, c'est pas ça qui a pris avec tout le temps que plus j'ai fermé. C'est ça qui fait en différence que la Bible a fait. Je ne vais pas comprendre ça. Les deux frères, c'est un monde qui a besoin de la détresse, tandis que les amis sont beaucoup besoin. C'est la différence. Ou la compagne frère, c'est le niveau que nous avons tout le temps. Il fait la différence entre nos frères. Quand on va mettre nos frères, quand on va mettre nos amis. La porte de porter contre un péril parmi de faux frères. Donc le Seigneur aide à réaliser le bien fondé de la vie et l'application même de la vie dans notre vie. En sorte que nous vivons chaque jour. Nous avons cette figure-là, un modèle, où est-ce que j'ai envie d'agir, et nous-mêmes nous sommes capables d'agir toutes les fois que nous possible. Même l'œuvre va servir avec Jésus pour faire le fondement de mes salons, mais songez que Jésus est le seul à que le Seigneur bénisse.